dans une arène à couper. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la playlist, c'est Motorsport. On va faire comme d'hab, première, dernière course. Tu es sur le point de découvrir le plus je peux pas rentrer dedans. Un monde de professionnalisme, de performance, de stratégie et de compétition intense. Mal ça? Ah ouais, ok, d'accord. J'étais en train de parler. C'est pas mal, mais c'est clairement pas la meilleure cinématique qu'ils ont faite. Clairement pas. On a combien de courses pour ceci? Ok. Ça va nous laisser le temps de farmer pour le summit. Allez, voyage rapide. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est la voiture qui est recommandée. Hein. On est obligé de l'acheter pour pouvoir débloquer la course Motorsport. Je devrais le faire en plus, ma voiture elle est déjà réglée et tout. J'ai jamais débloqué la dernière. Yeah, là, je crois que c'est une Red Bull, je crois. Tu vas avoir besoin de toute ta concentration, alors je te laisse. Ça va. Ok. C'est parti. Difficulté, par contre. Pas modifier la difficulté, je vais les mettre au max. Ah, il y a des courses des fois comme ça, c'est bizarre, on peut pas. Contre la montre, ok. Ça va aller vite, ça veut dire. Tant pour ça, on va se mettre dans le feu de l'action. Un dernier appel. Ton talent compte, mais en Alpha GP, la stratégie est aussi essentielle. Lorsque tu sentiras une perte d'adhérence, tu auras un choix important à faire. Continuer avec une maîtrise plus difficile ou t'arrêter au stand pour reprendre la course avec des pneus neufs. Dans tous les cas, c'est à toi de décider. Ok, c'est bien ça. Quand ton adhérence sera trop faible, mais c'est toi qui auras le dernier mot. Ah, je sais pas comment je vais faire au niveau de l'adhérence, est-ce que je reste au long ou pas, on verra bien. Max, Max, passe au stand dès que tu peux. Pourtant le train arrière qui glisse. Bah attends, ça c'est les stands, mais si je pas passe. Bah. Il y a 2 secondes, il me dit passe au stand si tu veux, et si tu veux pas, tu continues. Et 10 secondes après, il me dit du coup, je suis obligé d'aller dans les stands. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ah, j'avais pas envie de passer par les stands, moi. Alors, en fait, t'as pas le choix, quoi. Tire-en profit. Tu dois t'habituer à cette piste. Ah, la nuit dure, elle descend vite, hein.
Différence quand même dans le virage avec le Viromax c'est tout à l'heure un peu en orange. Ça a rien à voir. Hein. Attention à ce virage en épingle, il est rude. Oh, je kiffe le passage d'un rapport, on a un bon bruit bien sec là. Il a fait le train à main tout le long. Ah c'était les tours d'essai, là ça va être les vrais tours je pense. Non? Non hop, fin de course hein. Bon, ça nous fait des pièces pour le summit, je pense que... De toute façon ça va être des courses que je vais farmer, parce que forcément il y a deux courses avec le summit. J'ai déjà fait les épreuves mais bon. Voilà, il faut améliorer le score. Oh les gars, on se dit pour la dernière course. Allez, on se retrouve. Cette fois-ci, pas pour la dernière, mais pour l'avant-dernière. Apparemment, ce qu'ils disent, c'est l'épreuve la plus dure. La plus dure de la playlist. Elle a dit la meuf. Enfin, on va commencer la course. Donc, on va voir. On va voir si c'est vrai. On a une petite Bugatti. À l'arrière dirait une Batmobile quoi. Nouvelle course de racing la plus longue. Racing la plus longue, ok. C'est une course d'endurance, ça veut dire des tours plus longs et plus d'arrêts au stand. Ajuste ta stratégie. Ah et puis ils m'ont fait une caisse qui ne tourne pas, donc génial. Cette course sera la plus longue de la compétition et aussi la dernière à accueillir des voitures de racing. Ah ouais, ça tourne vraiment pas. Hein. J'ai beau avoir des gros boudins, je suis à fond sur le stick. Ouais, il va bien gérer ses stands. Sous un ciel clair, mais tu vas la finir dans le noir. Fais attention. Tourne. Changer ta perception du circuit. Ah donc là, c'est vers ça qu'ils disent le plus dur. C'est que vu que du coup, on a une caisse qui ne tourne pas. Le dur qui descend vite. C'est là où il va falloir bien gérer ce stand. On va entamer le deuxième tour. Ne sois pas timide dans les virages. Les pneus de la Bugatti Bolide t'offrent une excellente adhérence. Ouais, je pense que... Elle n'a rien à envier à une Alpha GP. Ah ouais, bah, je vais faire largement aux Alpha GT. Hein. On va faire deux tours et un arrêt au stand. Si je fais un arrêt là, non, on va le faire là. On le fait là, après on fait deux tours. Et normalement j'ai assez pour les deux autres tours. Et de retour dans la course. Okay. C'est le deuxième tour. Là il n'y a aucun qui a fait un arrêt au stand. Parce que vu comment déjà elle est nulle en virage, pas trop envie de prendre de risques. Et qu'on arrive dans l'orange, les caisses quand même doivent être très contrôlables. Donc gaz hein. Elles sont pas mal ces courses, c'est un peu intense. On demande à bien gérer sa vitesse, c'est vrai qu'on regarde la barre plus on va glisser, plus la barre descend vite. À déraper un maximum le moins possible la caisse. Ok, comme ça. Un tour. Au sommet de l'Orar pendant ces 5 tours exigeants dans des conditions météo incertaines. Ok, là on est quoi? On va passer bientôt à l'orange au niveau des pneus. Ouais, donc c'est ça. Hein. Troisième tour.
Il y en a plein qui vont s'arrêter au stand. Déjà là, elle tourne déjà presque plus. Troisième, il s'arrête au stand. Ah, elle tourne plus du tout. Oh. Ah, ça se trouve, on va faire un arrêt à chaque fois. Hein. Tout le monde s'arrête au stand. Prochain tour, j'arrête au stand. C'est-à-dire que le dernier tour, il va être corsé. Hein. Légèrement ? Ah bah. C'est plus légèrement, là. Dès que je passe au rouge, la voiture, elle va faire un tout droit. Je me dis encore heureux que je suis en manuel, en automatique c'est exactement. On arrive en orange. N'oublie pas ta stratégie. Retourne au stand quand tu perds de l'adhérence. On a déjà le train arrière qui commence à se dandiner dans les virages. Ça c'est bien fait par contre. Dès qu'on a les yeux en orange ou en rouge et qu'on freine l'arrière, il glisse. Attendez, regardez. Regarde, il fait un droit de gauche. Et quand c'est rouge, c'est pire. La voiture est prête. Donne-toi à fond. Plus que deux tours. Ah bah, j'ai une avance, mine de rien. Mais je trouve qu'il y a un manque toute la caisse du jeu. Hein. Manque en direction. La mine de rien, je tourne à fond et la voiture a vraiment du mal. Hein. Elle est belle, hein, petite Bugatti là. Mais ouais, vous aurez vraiment une Batmobile, mais en plus petit. Allez, on va attendre le dernier tour. Normalement, on est bon. Couche, la dernière, je pense, ça va être de la Formule 1, donc ça va être. En soi, ça aurait été comme la première course. Il a dit que c'était la dernière course en Pro Racing. Donc, du coup, avec des catégories comme ça, en GT3. Ça va, je leur ai mis une belle avance quand même. Hein. Dernier tour, accélère, go, 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 go. N'hésitez pas les gars, lâchez votre petit like, quoi. Hein. Un commentaire, c'est très important pour le référencement. Malheureusement, pas grand monde qui commente sur mes vidéos. Allez, tourne. Franchement, j'imagine pas l'avoir en rouge. En rouge, elle doit faire vraiment des tout droits, mais vraiment violents. Une descente, profites-en pour gagner de la vitesse. Je sais pas si c'est voulu qu'elle tourne pas quand même celle-ci, parce que c'est vrai que il y a quand même beaucoup de GTA 3 qui tournent de ouf. Et elle, pas terrible, terrible quoi. Allez, j'arrive dans le rouge, ça clignote. Là, si je freine. Vous voyez là, c'est vraiment comme ça. Faut vraiment arriver. Tout à l'heure, j'ai fait une course avec la forme. Pas la forme là, c'est la.
La Ford GT avec ça en rouge, vraiment tout petit, et la voiture elle est partie dans tous les sens. C'était incontrôlable, j'ai dû rembobiner au moins 6 fois sur la dernière ligne droite, c'était vraiment horrible de chez horrible. Bon, on va se retrouver du coup pour la récompense finale, vu que j'ai encore une course à faire. Par contre, niveau crédit, ça gagne. Hein. Niveau crédit, 45 000. Parcours, donc c'est un peu long, hein. 8 minutes pour 45 000, autant farmer d'autres courses, mais pour farmer les pièges, je pense c'est pas trop dégueu. Bon, on se dit à tout de suite. Bravo, tu l'as poussé jusqu'à sa limite. La Red Bull on arrive 18 est maintenant à toi. À la Red Bull. Tout le monde ne peut pas se vanter de posséder une Alpha GP. Ok. De toute façon, là, vous allez la conduire hein, pendant une épreuve. Du coup, il nous reste la dernière avec la Mercedes qu'on va gagner. Okay. Et on aura fini toutes les courses. Par contre, elle a été beaucoup plus longue, la... On appelle ça... La cinématique. Elle a été beaucoup plus longue que les autres qui les ont vraiment bien mis en valeur. Il y en a 5 à trouver, je pense qu'elles vont pas être trop loin. Ça va être près des circuits ou autre, là, de d'autres là-haut. Bon les gars, n'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude, de vous abonner. Et on se retrouve bientôt, je vais vous faire une petite vidéo je pense sur le summit. Pour faire tel score en summit ou autre. Je sais pas si ça intéresse, dites-moi, mais je pense que je la ferai. On vous dit à la prochaine. Les hypercars sont probablement les machines.